Bonsoir, monsieur José Toumba. Bonsoir. Je vous trouve en train préparatif de votre voyage de demain. Donc là, il est à peu près 23h ici à Bruxelles. Vous venez d'arriver de Suisse. Je profite de cette occasion pour vous poser quelques questions en réponse à ce que le footballeur Mbokane a dit relatif à votre conflit, le conflit qui vous oppose. Vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Ben, j'ai regardé les images, j'ai vu qu'il avait prétendu qu'il n'a pas de problème avec moi. Moi non plus, je n'ai vraiment pas envie d'avoir des problèmes avec lui dans la mesure où on n'est pas encore nombreux, nous les Congolais, dans le milieu sportif international. On est en train de rattraper un retard. Il ne faudrait pas que nous commencions déjà à nous désunir, ce qui serait un frein pour l'évolution du football, de notre football ou de l'image de notre football. Alors, mais bon, je tiens à confirmer aux internautes que ça fait un moment que je ne suis pas du tout en contact avec ce jeune, mais je suis ouvert, totalement ouvert à un arrangement à l'amiable. Et son agent Fabio, vous dites qu'il n'est pas agréé par la FIFA. Ça consiste en quoi être agréé, ne pas être agréé? Bon, maintenant, on fait même plus de mystère pour ça. Maintenant, si on veut savoir si quelqu'un est agent ou pas, on va sur le site internet. Mais je préfère ne pas encore en parler, étant donné que le dossier suit son cours. Je vous confirme, en tout cas, à moins qu'il ne soit agent sur une autre planète. En tout cas, ici, au niveau de la FIFA, il n'est pas reconnu. Mais disons, pour moi, je pense que c'est beaucoup plus un scout qu'un agent des joueurs. Et dans le dossier avec Mbokani, ça dépend de quelle législation, belge ou bien du Congo, parce que vous êtes congolais tous les deux, et les négociations entre vous et Mbokani se sont passées au Congo. Disons que d'abord, quand j'ai signé avec Mbokani, ce joueur appartenait toujours à un club congolais. Mbokani est congolais, je suis congolais. Et en tant qu'agent de joueur, j'ai le droit d'avoir n'importe quel joueur je peux manager n'importe quel joueur. Mais simplement, il y a des pays qui mettent des veto, qui essayent de demander telle agrégation ou de telle autre, qui pourrait être un frein pour moi, mais au départ, à la base, je peux être un agent d'un joueur. Et dans le cas de Mbokani, c'est un joueur congolais, je suis agent, et bon, voilà. Nous n'allons pas entrer en profondeur dans le dossier, parce que comme c'est entre nous la justice et les secrets de l'instruction. Non. Maintenant, on a stoppé sur demande, on a stoppé, et on attend d'essayer de trouver un arrangement. On lui donne le temps pour trouver un arrangement, parce que personne ne va gagner. C'est pas l'argent qui peut faire le bonheur du football congolais. C'est d'abord aussi l'image. Tout ce que je demande, c'est qu'on puisse trouver un compromis. Je suis prêt à le faire. Justement, ça tombe bien, parce que vous risquez peut-être, je ne sais pas, vous allez peut-être voyager dans le même vol que Fabio, parce qu'ils sont intéressés également en poutre au trésor. Et le manager Donofrio, Luciano Donofrio, sera également présent à Kinshasa pour visionner une poutre au trésor. Est-ce que vous avez profité de l'occasion de ces matchs contre la Libye pour rencontrer Fabio? On s'est déjà parlé au téléphone, on s'est déjà vu une fois. Le but, c'est pas de le voir, il n'a rien à voir dans l'histoire, il n'a pas une licence. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, je ne veux pas faire des polémiques là-dessus. Il peut faire ce qu'il veut, mais c'est dommage pour le football congolais. C'est vraiment dommage que nos dirigeants puissent confier la carrière d'un si grand joueur, de deux talentueux congolais, à quelqu'un qui n'a pas une licence FIFA. Mais vous, en tant qu'agent de joueur, est-ce que c'est normal de laisser votre, disons, je ne sais pas, je dis votre poulain, par exemple, le laisser dans ce qu'il ne puisse pas se défendre en français, par exemple? Parce que vous êtes son manager, vous pouvez être un conseiller, lui aider, par exemple, à savoir répondre aux médias. Est-ce que ce n'est pas un rôle? Parce que avec Prince, votre homologue Prince,
à l'aéroport, il m'a parlé, il a dit que notamment un agent de joueur doit également travailler avec la fédération, accompagner le footballeur, aider la fédération de son pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Bon, il y a deux questions déjà. Je vais d'abord répondre aux propos qu'avait tenu M. Prince. Prince, c'est un collègue, c'est quelqu'un que je respecte. Simplement, je pense que soit il a mal exprimé ce qu'il voulait dire, soit les gens ne l'ont pas bien compris. L'article 3 des agents du règlement des agents des joueurs interdit à tout agent ou tout potentiel agent d'avoir une fonction quelconque auprès de la FIFA, auprès d'une fédération, des associations et consorts. Donc, s'il veut aider le Congo, moi aussi je peux le faire, ça serait à titre personnel. Donc, peut-être qu'il avait dans l'euphorie, peut-être pas très bien expliqué, ou il s'est pas bien fait comprendre. Mais bon, il peut l'aider, mais pas en tant qu'agent. Par patriotisme, comme ça. Par patriotisme, d'une manière informelle, mais il ne peut pas aider de manière officielle, parce qu'il est agent.